Nous allons maintenant passer à notre temps de prière ensemble. Si vous êtes nouveau ici, c'est un moment où nous prenons du temps à prendre des requêtes de prière de vous et puis nous nous séparons en petits groupes et nous prions les uns pour les autres. Vous pouvez vous asseoir. On te remercie pour le fait qu'on puisse venir ici ce matin et se réunir, prier les uns pour les autres, louer, te louer ensemble et apprendre de ta parole. Je prie que tu nous parles à travers ta parole, tu prépares nos cœurs pour accepter
ta parole et que tu nous changes, Seigneur. Je prie tout cela en nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le 31 octobre 1983, le vol 007 de Korean Airlines effectuait sa dernière étape de vol entre New York et Séoul, en Corée. Ils avaient encore un arrêt à faire en Alaska. Et donc, à l'insu de l'équipage, l'ordinateur qui contrôle le système de navigation contenait une petite erreur. Une erreur de 1,5 degré. Cette erreur, ils n'ont pas pu la détecter. Et donc, ils sont partis avec 1,5 degré de mauvaise trajectoire. Et pendant que sur la route, ils passaient au-dessus du Pacifique, et pendant que le temps passait, ils partaient de plus en plus loin de leur but. Finalement, l'avion a survolé l'espace aérien soviétique, qui était interdit. Et donc, ils ont repéré cet avion et ils ont envoyé deux avions de chasse pour intercepter cet avion. Les avions de chasse ont essayé d'envoyer un message à l'avion, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Et dès qu'ils ont vu que l'avion commençait à effectuer des manœuvres d'évitement, ils ont tiré sur l'avion. Le Boeing a été touché et il a été plongé dans la mer Asiatique. Et tous les passagers, tous les 269 passagers à bord ont été tués. Si l'équipage avait su qu'ils s'étaient écartés à cause de ce 1,5 degré, toute cette vie n'aurait pas été perdue. Église, il y a un danger lorsqu'on s'écarte de notre trajectoire. C'est pourquoi nous faisons cette série. Nous voulons revenir à l'origine des choses pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si vous regardez à l'extérieur aujourd'hui, dans notre monde, vous allez voir qu'il y a plein de soucis, plein de confusion, des problèmes, des tensions qui montent. Et je suis convaincu que toutes ces tensions, tous ces problèmes sont dus à la réalité que nous nous sommes écartés de notre trajectoire. Nous nous sommes écartés du plan origine que Dieu a pour nous. Une séparation d'un degré, jouée sur des années et des années, des centaines d'années, un compromis par ici, un moment de conformité par là, et nous sommes ici, aujourd'hui. Aujourd'hui où la vie est facilement rejetée, où la création est une coïncidence et pas un absolu. Le genre, c'est quelque chose de fluide et pas fixe. Et le mariage, c'est un fardeau et pas une bénédiction. Le problème de notre monde n'est pas social ou politique. Le problème de notre monde est théologique. Notre problème, c'est que nous nous sommes éloignés de la trajectoire du plan originel que Dieu avait pour nous. Et si nous ne prenons pas soin d'appeler notre société et nous-mêmes de revenir à ce plan d'origine, nous aussi, nous irons droit vers la trajectoire. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé cette série par Dieu, comme toute bonne série doit commencer, par Dieu. Nous avons vu le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu. Et nous avons vu que Dieu est à l'origine de toute création. Ce matin, nous allons nous pencher sur le sommet de la création de Dieu, l'humanité. Et en revisitant et en nous réorientant autour du plan et du but que Dieu a pour l'homme, nous pourrons plus facilement comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre.
Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. Il y eut soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Donc après, Dieu a créé toute chose à partir de rien, ex nihilo. Et d'un mot puissant, il a insufflé l'univers et il a façonné les montagnes. Il a fait quelque chose d'unique. Dans son acte final et décisif de création, Dieu a créé l'humanité. Et il a fait ça pas de la même manière qu'il a créé la Voie lactée ou qu'il a créé les montagnes. Il a fait ça d'une manière différente. On lit qu'il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons ici, c'est au pluriel parce qu'on parle de Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme ici est aussi au pluriel, faisons l'humanité à notre image. C'est ça l'origine de l'humanité. Nous ne sommes pas le résultat de générations spontanées de cellules aléatoires. Nous n'avons pas évolué au fil des années. Nous ne venons pas des singes. Nous sommes formés par un Dieu puissant. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Cela signifie que Dieu vous a créé. Cela a des implications que je veux qu'on voit aujourd'hui. Ouvrez vos Bibles dans Psaume 139, 13 à 16. On lit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a créé. Que vos parents aient prévu de vous avoir ou non, s'ils ont planifié de vous avoir ou non, je veux que vous m'entendiez très clairement aujourd'hui, vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes ici parce que Dieu lui-même vous a créé. Il vous a tissé dans le ventre de votre mère. Avant même que vous soyez une pensée dans l'esprit de vos parents, Dieu vous connaissait et il vous aimait. Avant qu'il crée toute chose, votre vie était inscrite dans le livre de la vie. Dieu connaissait votre nom, il connaissait quand vous allez naître et quand vous allez mourir. Le fait que Dieu a créé l'humanité signifie qu'il vous a vous-même créé. La deuxième implication que je veux que nous regardons, c'est que le fait qu'un Dieu saint et parfait a créé l'humanité et l'a créé à son image, il a mis son image parfaite et sainte en l'humanité, cela veut dire que chaque vie a de la valeur. Toute vie est sacrée. Et où commence la vie selon le psaume 139? La vie commence dans le ventre de la mère. Il ne s'agit pas ici d'une question politique, mais d'une question théologique. Ce n'est pas à nous de décider quand la vie commence. Pas à moi, pas à vous, pas à notre gouvernement. C'est Dieu qui crée la vie, c'est lui qui fait que la vie commence. Donc c'est lui qui nous dit quand la vie commence, dans sa parole. Et ce n'est pas non plus à nous de dire quand la vie doit se terminer. Toute vie est sacrée. La vie dans le ventre de la mère, la vie d'un jeune de 20 ans, la vie des gens qui sont plus âgés, la vie des gens qui sont malades et peut-être prêts à mourir, toute vie est sacrée. Et ce n'est pas à nous de décider quand cette vie doit se terminer ou quand elle commence. Lorsque nous commençons à nous éloigner de cette vérité et nous pensons que c'est à nous de prendre ces décisions, la vie perd rapidement de sa valeur. Ce n'est pas difficile à voir. Regardez notre monde, regardez notre histoire. Si c'est à moi de décider quand la vie commence, alors c'est facile pour moi de dire que
ce qui est dans la vie, dans le ventre d'une mère, n'est pas une vie. Et donc, on peut le jeter. Ou c'est facile de dire que ces gens qui ont une couleur de peau différente de moi, ou qui viennent d'une culture différente, qui parlent une langue différente, leur vie n'a pas de valeur. C'est à moi de décider ce que c'est la vie, donc c'est moi qui décide si les gens vivent ou s'ils meurent. Vous voyez, si on pense comme ça, si on s'éloigne du plan de Dieu, cela ne mène que à la mort. C'est Dieu qui décide quand la vie commence. Toute vie est sacrée, car elle a été créée par un Dieu parfait et saint. Et je tiens à préciser ici qu'il existe de la grâce en tout cela. Nous ne sommes pas appelés à juger le monde. Rappelez-vous, on est tous des pécheurs ici. Nous avons tous besoin d'un sauveur, de Jésus, qui peut nous pardonner de nos péchés. Mais nous avons tous le devoir d'aller à notre société et à notre gouvernement et leur dire qu'ils sont partis de la trajectoire que Dieu a voulu. Ils se sont éloignés du plan de Dieu. Même si cela fait en sorte que les gens nous détestent ou si on dit des choses qui peuvent les blesser, il n'y a pas de chose moins aimante que voir les gens prendre une trajectoire qui mène à la mort et les laisser la prendre et ne rien leur dire. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à rappeler les gens à se repentir et à suivre la trajectoire que Dieu a créée à l'origine quand il a créé les humains. C'est comme ça qu'on aime notre société, même si cela brise nos relations. On doit rappeler les gens à suivre Jésus, à se conformer à l'image, au plan d'origine que Dieu avait pour eux. Le fait d'être créé par Dieu signifie également que nous ne pouvons pas décider de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas non plus décider de notre mode de vie. Et dans ce passage, Dieu nous explique, il nous enseigne qui nous sommes et comment nous devons vivre. Lisons de nouveau le verset 26 et le 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Les théologiens appellent ça l'imago Dei, l'image de Dieu. Voyez, cela veut dire que le dessein intentionnel de Dieu est tissu en vous. Vous portez le portrait de Dieu. Et ça, c'est vrai pour chaque humain. Chaque humain a de la valeur parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Chaque humain porte le portrait de Dieu. Et cela a des énormes implications pour notre vie. Examinons quelques-unes. Tout d'abord, parce que Dieu les a créés, parce que Dieu a créé la femme, l'homme et les enfants, et il a mis en eux son portrait, toute vie humaine mérite le respect et la dignité parce qu'il porte le portrait de Dieu. L'évangile ne se limite pas à la couleur de notre peau, à notre origine, à la langue dont on parle. L'évangile est pour tous les hommes. Et nous devons nous battre pour que tous les hommes ont du respect et sont traités avec du respect et de la dignité. La deuxième implication, c'est parce que Dieu les a créés hommes et femmes, ils sont à la fois distincts et égaux. Dans l'Antiquité, les femmes étaient considérées comme des objets. Mais la Bible dit que les hommes et les femmes sont égaux. Pourquoi? Parce que notre valeur vient du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et la femme et l'homme sont faits à l'image de Dieu. Et donc, il n'y a pas d'inférieur ou supérieur entre l'homme et la femme. Nous sommes égaux. Mais elle montre aussi qu'on est totalement distincts. Et nos distinctions sont basées sur le plan de Dieu. Nous allons parler plus sur cela la semaine prochaine. Genèse 2 nous enseigne que Dieu a créé une femme pour qu'elle soit l'auxiliaire d'Adam. Le fait que la femme soit appelée une aide à Adam n'est pas quelque chose de dégradant. En fait, il y a plein de fois dans la Bible où Dieu est appelé l'aide de l'homme.
Nous croyons ici à LifePoint que les hommes et les femmes ont le même rang, mais ils ont des rôles différents. Nous ne croyons pas qu'un homme puisse faire tout ce qu'une femme peut faire et nous ne croyons pas qu'une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Nous avons la même valeur, mais nous avons été créés différemment, dans un but précis, pour honorer Dieu. Troisièmement, la troisième implication, parce que Dieu les a créés hommes et femmes, cela veut dire que le genre n'est pas quelque chose de fluide, le genre est fixe. Et cela va totalement à l'encontre de ce qu'on apprend à la société actuelle, où on pense que n'importe qui peut décider d'un jour à l'autre d'être quelque chose d'autre. Il y a 10 ans, personne ne se demanderait si le fait d'être un homme ou une femme était un choix personnel. C'était quelque chose de fixe. Mais aujourd'hui, il se peut que vous avez un enfant qui va à l'école et qui est élevé dans une optique de neutralité de genre, où ses parents le laissent découvrir ce qu'il est. Il se peut que votre entreprise vous demande d'utiliser des pronoms préférés, ou qu'un membre de votre famille, un ami, soit en train de changer de sexe. Mais la Bible utilise le mot sexe pour 2 significations. Les relations sexuelles et la biologie. La Bible nous enseigne que l'homme et la femme, si on est homme ou femme, cela se fonde sur les organes reproductifs et sur les chromosomes de notre ADN. Le mot genre, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que notre société a fabriqué. Vous voyez, le sexe, c'est quelque chose d'objectif. Donc, on s'est tourné pas vers la biologie, mais vers la psychologie, pour se dire, tu es ce que tu penses être. Mais cela n'est pas la réalité. En fin de compte, le sexe n'est même pas biologique ou génétique. Il s'agit d'une réalité spirituelle créée par Dieu. Et donc, on ne peut pas, nous les humains, changer cela. Nous avons été créés intentionnellement avec un but précis, avec puissance, avec une valeur immense parce qu'on porte le portrait de Dieu en nous. Voyons maintenant la raison pour laquelle Dieu nous a créés sur cette terre. Dans le verset 28 à 30. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui déplace sur la terre, à tout ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » La vie n'est pas un hasard. Chacun veut connaître son but ou le sens de la vie. Et nous trouvons notre sens de la vie dans la Bible, dans notre origine. Nous avons un but divin qui est de soumettre et dominer la planète. En étant fécond, en étant des multiplicateurs. C'est important parce qu'aujourd'hui, notre société, de nouveau, nous enseigne que les humains sont le problème, sont le plus grand problème de la Terre. C'est à cause de nous qu'il y a des problèmes dans l'environnement. Et oui, cela est vrai. L'homme peut déverser des millions de pétrole dans la mer. Il jette du plastique dans la mer. Mais l'homme aussi transforme aussi le sable et le silicium en des GSM que vous avez sur vous. Vous pouvez voir la dérivée dans les récits culturels qui circulent aujourd'hui, car on nous dit que le plus grand impact qu'on peut avoir sur la planète, c'est de ne plus avoir d'enfants. Les gars, cela est un mensonge de l'enfer. Les bébés ne sont pas un fardeau. Les bébés sont une bénédiction. C'est un cadeau de Dieu. Ce sont des porteurs de l'image du Dieu Tout-Puissant qui reflète sa bonté. Le psaume 27 nous dit des enfants, des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, le fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli.
Il ne connaîtrait pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Les enfants sont une bénédiction et Dieu nous a appelés à avoir des enfants. Maintenant, il y a un abus pour tout. On doit prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée. Mais nous ne devrions pas mettre à côté notre objectif qui est de domination, de multiplier et de remplir la terre que Dieu nous a donnée. Parce qu'on a une empreinte carbone. Mais être fructueux, avoir des enfants, se multiplier n'est pas simplement une question de population. C'est une question d'édification du royaume. Nous sommes appelés à être féconds et avoir des bébés, mais aussi de les instruire dans le Seigneur. Nous sommes appelés à remplir la terre des croyants, des gens qui glorifient Dieu. Vous comprenez pourquoi ces chapitres sont si importants pour nous aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe dans notre monde. Notre monde s'est tellement éloigné du modèle originel que Dieu avait pour nous que croire ces choses, dire ces choses à l'extérieur, les gens vont nous appeler sexistes ou racistes ou qu'on n'aime pas, on est des gens sans amour. Mais cela n'est pas vrai. Et si les gens vous disent ça, ne les croyez pas. Parce que ce que Dieu a créé est bon. Son plan d'origine est bon, est très bon. Dans le verset 31, quand Dieu il a regardé tout ce qu'il avait fait, il a dit « c'était très bon ». Quand il a regardé l'humanité, il a dit que c'était très bon. Ce que Dieu a créé est bon. Et si on veut s'épanouir dans ce monde, on doit suivre son plan. On doit retourner à l'origine des choses et suivre ce que Dieu dit. Nous devrions nous voir en tant qu'hommes et femmes créés à l'image de Dieu pour afficher et projeter sa sainteté. Mais au lieu de ça, nous passons notre vie à essayer de projeter notre image, à essayer de grandir notre nom. Et cela ne mène pas à l'épanouissement. À cause du péché, nous rejetons l'image de Dieu et nous reflétons l'image des hommes. Et donc, nous devons appeler notre société à revenir à le plan d'origine de Dieu. Église, ne vous laissez pas séduire par le monde. Ne cédez pas à la pression de la culture. Si vous êtes persécuté pour avoir partagé avec amour les vérités de Dieu à ce monde et que les gens vous jugent, souvenez-vous, qui est à votre côté? Si vous restez fort dans les vérités de Dieu, vous avez Dieu qui est avec vous, à vos côtés. Nous n'essayons pas à faire plaisir aux hommes, nous essayons à faire plaisir à Dieu. Et donc, vous avez été créés par Dieu pour être ses représentants sur terre. Votre valeur vient du fait que Dieu vous a créé, il a mis en vous votre image. Et donc, partagez ces vérités avec le monde, parce que le monde en a besoin, parce que le monde est dans cette trajectoire qui mène vers la tragédie. On doit appeler le monde à revenir au plan de Dieu. Je vais prier pour nous pour terminer. Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé. Ce que tu as créé, Seigneur, est bon. Et tes plans d'origine sont bons, Seigneur. Si on veut s'épanouir dans la vie, on doit te suivre, Seigneur. Je prie que tu nous aides à partager ces vérités avec le monde et les partager avec amour et pas avec jugement. Et Seigneur, je prie que tu grandis ton royaume ici. Et que tu nous appelles tous à revenir sur ton plan pour qu'on puisse s'épanouir, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous donnes du courage et que tu nous aides à savoir que tu es avec nous toujours, Seigneur. Peu importe ce que les gens disent de nous, Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, sois avec nous pendant cette semaine. Donne-nous du courage à partager ta parole, partager l'évangile.
Et on prie tout cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Église, on est arrivé à la fin de notre service. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez bénis et allez partager l'Évangile, allez partager la vérité de Dieu avec le monde. Je vous souhaite que vous avez du soleil pour la semaine qui reste. Soyez bénis.